seulement tes voyages en première. En première. Mais tu veux qu'elle t'estime, tu sors tes plus belles lectures. T'as vu des centaines de films, t'explique d'où viennent ces tapis sur le mur. Sur le mur. Mais y'a une heure où va retentir le signal. Tu voudrais qu'elle rêve, tu gardes un petit doigt en l'air. Tu parles de décalage horaire et de flash blanche à l'autre bout de la terre. De la terre. Quand les fontaines s'allument en dessous des lumières grises, on pourrait danser sur le bord des lagunes. Des lagunes. Mais il y a une heure où va retentir le signal. Par terre. Et dans le grand silence, tu te sens capable de marcher sur la mer. Sur la mer. Ah, tu voudrais qu'elle t'aime, tu sors tes plus belles lectures. Mais t'en oublies certaines comme ces filles à plat posées sur tes murs. Sur tes murs. Et y'a une heure. Le signal. Un moment où tu vas te sentir animal, 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 animal. Le signal. Salut les canailles, ça va? Moi, ça va super bien. Et vous savez pourquoi?
Parce qu'à partir d'aujourd'hui et pendant 2 semaines, je vais vous présenter le meilleur de Canaille Plus. Et oui, tous les soirs, vous retrouverez James Bond Junior, bien sûr. Mais je vous raconterai aussi les plus beaux souvenirs de Canaille Plus. Comme celui-ci, vous vous rappelez, on venait juste d'emménager dans nos nouveaux bureaux. Non mais vraiment, vous n'en ratez pas une! C'est pas possible! Oh, pardon, c'est pas ici le service des sports? Non, monsieur, c'est pas le service des sports ici. Ah, je suis désolé, excusez-moi. Je vous en prie, au revoir. Qu'est-ce qui se passe, petite Valérie? Il se passe que, tout simplement, ces deux imbéciles ont encore fait une bêtise. Je leur avais confié une mission, celle d'aller coller des plaques sur les portes avec les numéros correspondants. Oui. Je leur ai donné les plaques, qu'est-ce qu'ils en ont fait? J'en sais rien, en tout cas, il y a n'importe quoi d'inscrit sur les portes et depuis ce matin, ça n'arrête pas. Bah, voilà. Parce que le plan, il était mal fait. Ouais. Oui. Et en plus, on s'est aperçu qu'on le tenait à l'envers. Ouais. Bien sûr. Mais c'est pas grave, ça. On arrangera tout ça lundi, puis c'est marrant, ça nous fait de la visite. Voilà. Bon, je vais dans mon bureau, j'ai travaillé un peu, hein. Ah, vous voyez, c'était pas bien grave qu'on ait inversé toutes les plaques, alors. C'est pas la peine d'en rajouter, vous, d'accord? Bon, alors, après Zazou, c'est la brigade des rêves, voilà, c'est la brigade des rêves. Voilà. Oh, excusez-moi, je suis désolée. C'est pas grave, c'est charmant, c'est pas grave. Bon, alors. Brigade des rêves, alors ensuite c'est quoi? C'est Capitaine Planète, donc ça fait 23 minutes en plus. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Il va falloir penser à changer ces numéros parce que ça commence à devenir un peu pénible. C'est vraiment. Oh, excusez-moi, je suis désolé, vraiment confus. Mais c'est pas vrai, ils se sont donnés tous le mot, quoi! Mais qu'est-ce qu'il y a marqué sur cette porte alors? Quoi? C'est... Les corbeaux! Les corbeaux! Mais qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous! Dis donc, Q, est-ce que ton gadget spécial est au point? Je sais pas, je l'ai pas encore essayé. Eh ben, c'est l'occasion ou jamais. Comme tu voudras. Milbank a réussi à échapper à notre tentative d'élimination. Ce n'est pas grave. On trouvera bien un moyen plus efficace de l'écarter à jamais de notre route. Et une fois que notre plan aura été lancé, personne ne pourra plus s'opposer à nous, même pas ce James Bond Junior. James Bond Junior. Oui, oui, Tracy, rassure-toi. Mais qui sont ces hommes, James? Des agents de Scum, sans doute. Mais je ne sais pas pourquoi ils en avaient après nous, vois-tu? Qu'est-ce qui est arrivé aux hommes qui nous ont agressés? Oh, j'en sais rien. Moi non plus, monsieur Milbank. C'est comme s'ils avaient disparu de la surface de la Terre. Qu'y a-t-il, mademoiselle Pierce? Nous sommes tous convoqués à un stage de formation professionnelle. C'est impensable. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal. Hé, vous avez vu ça? On va élire le président des élèves!